Hey what it do, bande de fous? Ici Maxime Carabine pour faire un petit retour sur l'UFC 260, vous le savez déjà. Tout d'abord, je tiens à vous annoncer une popée nouvelle. Si ton boy Justicite Carabine est rendu sur les ondes du 91.9 Sport, après les UFC, les pay-per-view, les gros galas à peu près une fois par mois, tu vas pouvoir m'entendre les dimanches sur le show Anthony Marcotte du 91.9 Sport. Allez écouter ça les chums, téléchargez l'application, allez écouter votre boy Carabine. On va commencer dès maintenant, tout premier combat de la soirée, le chum, petit gars de Gatineau. Marc-André Barrio, ça faisait 9 mois qu'il s'était pas battu, petite suspension, tu comprendras. On avait détecté ses suppléments étaient teintés d'ostarine, quelque chose du genre. C'était pas dopé le jeune, s'il avait juste pris des protéines, puis il avait pas checké trop tôt qu'est-ce qu'il y avait dedans, fait qu'il avait été suspendu par l'USADA, pauvre petit gosse. Mais 9 mois plus tard, il était back dans l'octogone, puis affrontait Abou Azaitar. Abou, ça faisait presque 2 ans, je pense, c'est pas plus, qu'il s'était pas battu. Un gros Marocain, un petit ben gros bulky, tu comprendras. Barrio était bien plus grand que lui. Peut-être, plus grand, je sais pas, là, 3-4 pouces, on va dire. Un petit peu plus mince, plus cut. Azaitar, vraiment une petite boule remplie de muscles, un bulldog, on va se le dire. Et puis, ça a apparu, les chums. Quand tu veux te battre, là, les gros pipes, ça paraît bien, là, mais pas super pratique parce que ça tire du jus. Tu prends de l'oxygène, si le sang, ça circule. Tu comprendras, t'es mieux d'être plus slim. Un petit peu à la Marc-André. Je te félicite, Marc-André. C'est tout un combat, c'est une solide guerre. Ça a commencé, puis Azaitar est rentré fort. Tu comprendras, ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu. Il avait le goût de taper. Il est rentré, Barrio a pris son temps. Manger quelques shots, manger quelques leg kicks. Le premier round, on l'aurait donné à Azaitar, 19 à Azaitar, mais rien n'était joué, le jeune, tu comprendras. Barrio avait encore beaucoup de réservoirs dans sa petite barre d'énergie. Power Bar était là, mon chum, répondu présent, le petit gars de Gatineau. Fait que c'est ça, deuxième round commence, puis on voit que Barrio commence à prendre le dessus, Azaitar, le Marocain. Il y a la langue qui touche à terre, c'est l'octogone. À un moment donné, il perd son mouthpiece. Je pense que c'est arrivé au troisième round. Son mouthpiece, il est plus capable. Barrio l'envoie à terre, tac, tac, il te l'assomme. Tout le long du troisième round, c'était un 18. Easy, si c'est pas un 17 à l'avantage de Marcario. De Marc-André et Barrio. Excuse-moi, mon boy. Puis il l'a complètement éclaté, Marocain. Il était le fini. Il restait 4 secondes, l'arbitre, il a arrêté ça. Tu me demandes, à mon avis, il aurait pu l'arrêter une couple de fois, mais Azaitar, il faisait tout le temps le petit minimum pour que l'arbitre n'arrête pas le combat. Il se tournait, là, il prenait, il mangeait une couple de coups. Après ça, il se tournait, là, Marc-André prenait son dos, il essayait de choker. Envoyait des hammer fists. En tout cas, c'était pas beau à voir pour le petit Marocain. Mais j'étais bien content pour Barrio. Il nous a montré qu'il n'avait de danse. Il a fini, il restait 4 secondes, un TKO à son retour dans l'octogone. Ça paraît toujours bien, ça, les chums. Deuxième combat qu'on va analyser. Les préliminaires, c'est de la merde. À part le combat à Barrio, là, ça valait pas grand-chose. Deuxième combat qu'on va analyser. Assez rapidement, Jamie Mullarkey, le petit Australien surprenant, il a knocké Cameron Worthy en 46 secondes. Un petit crochet solide qui a couché Worthy. Et voilà, c'est fini. Belle prestation de Jamie Mullarkey qui a failli se mériter la carabine d'or. On savait pas que la carte principale allait être aussi intense que ça, les chums. Sean O'Malley, Sugar Show, nous a montré qu'il n'avait dedans en Simonac. Il s'est allé chercher bien des haters depuis sa défaite face à Chito Vera. Selon lui, il l'a pas perdu. C'était un freak accident. Il s'est fait kicker dans la jambe. Sa cheville a lâché prise. Après ça, il s'est foulé à la cheville. Il s'est fait amener au sol. Puis s'est fait knocker par des coups de coude à la Chito Vera. C'était une défaite, mon Sean O'Malley, mais gars, dans sa tête, il est mentalement invaincu, puis c'est bien correct, c'est qu'on est pour juger. C'est tout un combattant, très divertissant, spectaculaire, le Sean O'Malley. Premier round, couche Almeida, c'est avec un spinning back kick, puis après ça, Almeida, il tombe à terre. O'Malley voulait créer un moment, tu comprends, il s'en va, walk off KO, comme il a fait contre Eddie Wineman. Mais Almeida, c'est un tough. Almeida, il s'est relevé, là, O'Malley, il voit qu'il est pas knocké, il voit que l'arbitre a pas arrêté le combat. Shit, il continue, t'as le tapoche, aussi. Almeida, il est solide, il a donné une petite opposition de deuxième round, là, c'était assez serré, il a donné une bonne opposition à Sean O'Malley. Finalement, troisième round, c'est arrivé, puis O'Malley a pris le contrôle bien raide. De le knocké, il restait 1 minute 10. Donc, Almeida, là, il a vraiment toffé ça, mais il te l'a éclaté bien raide, les jeunes. Tu comprendras un beau crochet, je suis trop sûr si c'est de la gauche ou de la droite, mais un énorme crochet qui a fait perdre l'équilibre à Almeida. Almeida est allé au sol, puis là, l'arbitre, il a pas arrêté le combat encore une fois. Premier round. Almeida s'est fait sonner, il a réussi à se relever puis prendre ses esprits assez rapidement. Fait que le ref s'est dit peut-être que ça va arriver une deuxième fois. Sean O'Malley, il s'est dit non. Fait que là, il a droppé une bombe. Pacac! Grosse droite, impeccable, sur le menton Almeida. Là, c'était terminé. L'arbitre a mis fin au combat. O'Malley est allé d'un petit jump shot en célébration. C'était magnifique. Sugar Sean avec des tresses colorées. Écoute, ce gars-là, c'est vraiment un fighter à surveiller, les jeunes. Il peut vraiment aller chercher là, toute une gamme de partisans. Là. Il va aller chercher les petits jeunes comme les petits vieux. C'est un gars à suivre, Sean O'Malley. Ça a l'air que Dominic Cruz aimerait se battre contre lui.
il est dû pour avoir un bon gars, un petit lutteur, tu sais, parce que quand il mange un striker là, dans 135 livres, là, au mollet, il est ben trop grand. Il a les jambes 6 pieds de long, les bras 7 pieds de long, fait que il est pas battable en striking dans 135 livres. Beaucoup trop de reach. Peut-être pogner son homme à un moment donné, un bon power puncher, mais Almeida n'était pas de calibre pour Sean O'Malley. Fait que félicitations, Big Sean. Toute une prestation. Combat co-principal, Tyron Woodley. Le boy, Tyron Woodley. Sorti en force, en Lyon, mais ça n'a pas été long. Il a réussi à sonner Vicente Luque, le Brésilien. Mais Luque, ça y en prend plus que ça pour tomber au sol, tu comprendras. C'est fait sonner, ça l'a réveillé un peu. T'as claque, t'as assommé Woodley, puis Woodley restait sur ses pattes, mais il patinait, tu sais, les chicken legs. Il réussit à rester debout. Luque, il n'arrêtait pas de le semer. Woodley, il se promenait d'un bord puis de l'autre d'Octogone, s'arrêtait sa cage, il revenait, remanger un autre shot, jusqu'à temps qu'il tombe à terre pour de bon. Luque, au lieu de le ground and pounder, il s'est dit, tiens, je vais le choquer. J'ai assez fait mal, c'était à Woodley. Woodley n'a même pas défendu, il n'était plus là pantoute. Fait que Luque l'a choqué, Darce choke, et voilà, victoire, Vicente Luque. Combat n'a même pas duré 4 minutes au premier round, ça a été le fight of the night. Un choix douteux, moi je l'aurais donné à Barrio et à Zaytor. En tout cas, yeah, pas moi qui donne les 50 000 sites. Combat de la soirée, Woodley, Luque, les deux se méritent un 50 000 piastres. Ben content, Vicente Luque, c'est en train de se faire un solide nom dans les 170 livres, va sûrement pogner un gros gars son prochain combat, combattant à surveiller comme Brésilien. Finalement, le clou du spectacle, combat qu'on attendait tous, le Saint Graal, la Coupe Stanley du UFC, le Heavyweight Championship, Stipe Miocic, a.k.a. Stipe Miocic, affrontait Francis Ngannou pour la deuxième fois. La première fois, on se le rappelle, c'est il y a 3 ans. Miocic a vraiment contrôlé Ngannou du tout au tout. Ça a fait un 5 rounds. Ngannou était plus capable après 2 rounds s'il crachait du sang vers ses poumons. Figure de style, les jumps. Peut-être dans le vestiaire, il crachait ça pas vraiment. En tout cas, il a pas fait ça dans l'octogone. Mais anyway, ça pour dire que deuxième combat, là, tout le monde se disait, bon, va-t-il être capable de s'être rattrapé, le Francis Ngannou? Il arrêtait pas de dire qu'il s'était amélioré, il y avait une boxe beaucoup plus crisp, puis il y avait un bon takedown defense, mais c'est dur à juger, c'est dur à pouvoir le croire, parce que ce dernier combat, je pense qu'en 4 combats, il n'y avait même pas 2 minutes dans l'octogone, il a knocké tout le monde, fait que je me dis, probablement ça va être le même Francis Ngannou, puis si Miocic, moins intelligent Miocic, là, mais si encore, tu sais, 38 ans, là, c'est quand même, il y avait 35 dans le dernier combat, là, il est rendu à 38, ça vieillit vite là, dans le heavyweight. Anyway, on a vu rapidement qu'Ngannou, il mentait pas, puis c'est vraiment amélioré. Miocic a mangé 2-3 coups à la gueule. Solide menton, estimé Miocic, solide menton, on se le cachera pas. Puis là, il a essayé de shooter, il a essayé d'amener Ngannou au sol. C'est là qu'on a vu que le combat allait pas aller en faveur du Croate. Ngannou, il a réussi à sprawler. Puis quand t'es un bonhomme de 275 livres qui sprawl sur toi, tu le ressens. Miocic était à 235, il dit « Oh, je pense pas que ça va se passer comme jeu. » Ngannou, il a twisté sur le dos, c'est à Miocic, il a commencé à le ground and pounder un petit peu, tu sais. Il a envoyé des coups de poing sur la face, Miocic a pas trouvé ça drôle. Failli finir au premier round, Francis Ngannou, puis devenir champion, mais Miocic a résisté. Ding, ding, ding! Pareil, s'il vient de le dire, là, il est revenu sur ses réseaux sociaux, là, Miocic, peut-être 3-4 jours après le combat, puis il a dit, après le premier round, je me sentais bien, je me suis dit, ah, si je pense que Ngannou est fatigué, je vais aller le knocker. Mauvaise idée, mon chum, tu peux pas aller knocker Francis Ngannou. Donc, ça commence, il mange un solide head kick, là, il se dit, ok, on échange. Miocic, il rentre, essaie de foutre une droite, il mange un crochet de la gauche, counter, tout petit counter, même pas ça de long, c'est à peu près les chums, ça l'a knocké. Ngannou, c'est un train, tu comprendras, il fait juste te toucher, puis les lumières s'éteignent, même si t'as le menton à Miocic. Miocic, il tombe, c'est pas beau à voir, il passe proche de se disloquer le genou, puis là, bon vieux Herb Dean était encore, 3 pieds trop loin. Ngannou, il a sauté dessus, coup du marteau à la Derek Lewis, super necessary à la Masvidal. Miocic va s'en souvenir longtemps de ce coup-là. S'il te plaît, estimé, pour tout le monde, pour ta santé à toi, pour ta famille, dans ta retraite. Écoute, je t'en voudrais pas si tu continues à te battre. On t'adore, estimé. Je pense que si tu te retirais, ça serait le bon temps. C'est bon timing pour te retirer. Anyway, Francis Ngannou devient le 3e champion africain de l'UFC. C'est le continent qui a le plus de champions dans l'UFC. Fait que, shout out aux Africains. Francis Ngannou, toute une histoire, les chums. J'invite à aller voir ça, mais le gars, il l'a pas eu facile. Ça y a pris des mois et des mois à traverser du Cameroun pour se rendre en France. Il s'est fait emprisonner en Espagne. Il était sans abri un petit peu en France. À un moment donné, il est rentré dans un gym. Le monde a fait Simonac. Qu'est-ce que c'est? Ngannou, viens-t'en ici, on va t'entraîner. Tu as du potentiel. Et voilà. 2013, il était sans abri. 2021, il est champion du monde. Comme ils disent les Américains, the baddest man on the planet. L'homme le plus méchant de la planète. Je suis pas trop sûr que je dirais ça parce que Ngannou, c'est un bon petit gars. Mais c'est définitivement le gars que tu veux le moins écœurer sur la planète Terre. Bravo à toi, Francis Ngannou. C'était sincèrement un très bon gala. Les trois combats de la carte principale, là, O'Malley, Vicente Luque, Francis Ngannou, ils nous ont pas déçus. Fait que
Allez regarder ça, les chums, si vous avez manqué ça. Sinon, comme je vous dis, catchez-moi sur les ondes 91 de sport. 91.9 sport avec Anthony Marcotte la fin de semaine après les pay-per-view. On va avoir du fun ensemble, les chums. Fait que c'est ça.